Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. On va continuer notre petite zone et j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais en fait, on a un train. On a ici, possiblement, un bateau qu'on va pouvoir mettre. Est-ce qu'en fait, on ne ferait pas une petite connexion entre notre zone là et notre zone ici, soit par train ou pas par monorail, parce que ben, on a un emplacement pour les monorails, donc on pourrait en profiter clairement. Alors, le monorail va monter très haut, mais ça pourrait être utile. Et du coup, transformer en fait cette zone en une méga zone commerciale, quoi, de nouveau. À commencer par mettre notre petit bateau. Alors, le petit bateau, donc. Attendez, quoi? On a un truc ici qui passe. Derrière un truc de... Ouais, bizarre. Essayons de réfléchir. On va se faire une petite zone. On va faire une zone spéciale changement, je crois. C'est vrai qu'on pourrait aussi mettre ça pour passer de l'autre côté. Oh! Ah ouais! J'ai jamais mis de ferry. Enfin, j'ai très peu mis de ferry. Donc ça peut être vachement cool. Itinéraire maritime. Je peux modifier ça? Ah ouais. Ok. Bon, ça doit faire partie sûrement de mes mods plutôt que non. Ok. On va le mettre. Alors, on a un train qui est ici. Je sais pas si on va garder cette ligne ou on va plus l'allonger et la connecter à un moment donné parce que ça va faire beaucoup de passages. Moi, je dirais, on va mettre notre bateau, genre ici, quelque part. Alors, entre-temps, vous allez découvrir un petit tuto que j'ai fait. Alors, je sais pas s'il est déjà sorti ou, en fait, s'il est seulement disponible pour les abonnés premium qui ont rejoint. Je sais pas comment on les appelle. Parce que j'ai lancé ça il y a pas très longtemps. Et voilà, j'avais envie de mettre des choses en avant. Je sais que beaucoup attendent mes tutos, donc j'en profite. Clairement. Ok, on va modifier du coup cette route-là. Alors on la déverrouille, on enlève ça et zou. Voilà. Parfait. Et là, on est bon. On va, alors je vais enlever ça parce qu'on va devoir faire notre gare de train. Est-ce qu'on a une gare de train et de monorail? Je crois. Ah non, de métro et monorail. Et mes trains et monorail, c'est que celui-là. Dommage ça. Ferribus. Bus métro. Train métro, il est quand même joli celui-là. Mais on va pas le faire. Ok, bah écoutez, on va se faire juste une gare alors. Alors, est-ce qu'on l'a fait juste en face? Ça peut être vachement cool. Et en même temps, faire un petit carré comme ça avec un parking, ça pourrait être sympa. Donc on va faire ça. On va avancer de 7. On va aller jusque là. Et encore 7. Alors, ça va être un petit parking. Voilà. Alors, niveau hauteur, on a un peu limite. C'est un peu moche. Et je crois que tout ce qui est un peu ici autour, là, ça on va le dégager. Bon, en fait, toutes mes routes, elles sont à une hauteur bizarre. Alors, soit on remonte tout. Ah ouais, ici ça a descendu en fait. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. On va créer notre zone. Une énorme zone ici, divertissement, fête, je sais pas trop quoi encore. Ce sera peut-être trop grand, hein. On va peut-être galérer, et ça va peut-être causer des gros problèmes. Je suis même en train de me demander si on devra pas plutôt faire une route principale plutôt. Non. Oui?
Oui. Moyen. Mais intéressant. En vrai, on voit clairement que déjà cette zone-là pose problème. Alors, parce qu'on a un stade, je dis pas qu'on va pas remettre de stade, hein. Ok, on va faire ça. Je vais mettre peut-être une zone avec des vélos. Voilà. C'est une zone avec des vélos, ça? Voie cyclable. Ok. Et la grande question va être où est-ce qu'on va changer le tout. Alors cette zone, j'aime vachement bien. Le petit tournant là. On peut peut-être le faire passer encore genre ici. Et tourner comme ça. C'est un peu bizarre comme tournant, mais... Alors ici je pourrais faire ça mais ça ne va pas bien donner. Mais après on peut juste redéplacer quoi. Alors, je vais mettre comme ça parce que c'est moins bizarre. Même chose ici, on va essayer de... Voilà, plus ou moins. On va le reconnecter parce que vous voyez, ça c'est plus connecté du coup. Et je vois ici qu'on avait des petits problèmes, mais ça va, ça a l'air d'être réglé. Ça c'est bien. On va du coup... Alors peut-être qu'on mettra des monorails en fait à un moment donné. Est-ce que ce serait utile d'avoir des monorails ici? Un monorail qui fait toute cette zone. Enfin qui fait genre un tournant et il repart. Ah oui, c'est vrai qu'on a ici les trains de passagers. Mais écoutez, ce qu'on peut faire, hein, c'est on va quand même prendre ceci et on va le tirer jusque là-bas. Comme ça, ils pourront après marcher. Voilà, et ça, on va tirer ici, on va quand même leur permettre de traverser un peu, si besoin. Alors niveau hauteur, c'est bien dégueulasse, hein. C'est pas très agréable à regarder. Alors on va reprendre l'outil, parce que vous voyez ici, j'ai reçu, j'ai téléchargé un nouvel outil. J'ai fait un tuto, alors un semblant de tuto, hein. Je suis pas expert là-dedans. Vous voyez ici, on a une pente qui est d'abord à 20% et puis à 3%. Si je fais Enter, ça va faire une pente à 12%, 12%. Et donc, c'est une pente un peu plus réaliste. Ce qui, on va dire, dans notre cas, est plutôt pas mal, quoi. Alors, ici, on va prendre une brosse, on va essayer de rendre ça un peu plus réaliste. Voilà. C'est ça qu'on voulait. Bon, peut-être pas ça. Bon, bref. Je vais mettre une spécialisation. Alors, on doit avoir, pour certains objectifs, c'était où? C'était ici quelque part, je crois. Divertissement et... Tourisme. Alors, on va faire clairement divertissement ici. Quartier. Voilà. Et divertissement. On va prendre. Alors oui, à la base, donc ça devait être une zone, une zone de. Allez, une zone d'habitation. Ça s'est transformé en une énorme zone. Allez. Une énorme zone de...
Je trouve plus mes mots, je suis désolé. Une énorme zone de divertissement. Ouf! Vous avez dû voir, j'ai fermé les yeux et serré les dents en mode genre qu'est-ce que je voulais dire. Alors on va essayer de mettre quand même un truc qui va longer la zone. Rien que parce que j'aime beaucoup ça. Alors, c'est vrai que je suis en train de penser à ça, mais j'ai un nouvel outil pour ça. Regardez. Ça s'appelle parallèle. Et maintenant, imaginons, j'ai envie de vraiment longer, mais totalement la zone. Alors, si je fais ça, voilà, je crois que ça va pas aller si je continue. Oh, si, ça va. Mais j'ai pas envie de continuer jusque là. Je crois qu'on va aller jusqu'ici et puis on va partir en sous-sol. Mais vous voyez, c'est vachement sympa, quoi. Ok, je fais Enter. Et boum, on a notre... Oh là là, notre second rail. Ça claque, mais de ouf, quoi. Ok, maintenant je pars comme ça. On part en sous-sol, ni vu ni connu. On passe par ici. On va là et hop, on remonte. Ici, on passe ici et on descend. Et alors on fait un beau truc qui s'appelle une boucle. Et voilà, on le reconnecte. Parfait. Donc là, ici, on longe la zone. Super. Et on va faire ça. Alors, on pourrait créer encore... En vrai, j'adore tellement le fait de dupliquer les lignes que je crois que je vais encore la dupliquer. Juste pour la beauté, en fait. Vraiment juste pour la beauté. Donc on va faire... Alors... Est-ce qu'on peut dire de changer de côté ? Contrôle Tab. Ok. Ça va. Là on est bon, on est bon. C'est beaucoup trop stylé cet outil. Franchement, juste pour en fait les rails de train, c'est tout simplement oufissime. Ouais, on va faire comme ça et on va le relier à un moment donné quelque part. Voilà. Zou, ça nous coûte 24 000. Parfait. Et on a notre zone de créer. Génial. Maintenant, je vais juste connecter ces deux-là. Je savais pas si on pouvait, donc j'ai préféré ne pas le faire. Hop. Et on va quand même juste un tout petit peu transformer le tout pour dire que ça doit être au sol. Bizarre, il transforme les deux. Ah ouais, ça claque, hein. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Alors la question va être maintenant, donc ici on a ça qui se connecte là. Où est-ce qu'on fait le changement? Alors pour moi on peut le faire genre ici quelque part. Alors ouais, c'est vrai qu'on est tellement proche que... Est-ce que ça donne quelque chose? Je ne suis pas sûr. Ouais.
grave, non. Peut-être pas une route. C'est peut-être trop proche ici? Est-ce que ce serait ça le problème? Ouais, à chaque fois, c'est des zones qui s'écartent assez fort. Hein. Bah écoutez, je vais laisser comme ça. Voilà, c'est tout. Ça va faire comme ça ici. Alors, normalement, on pourrait se dire on va aller dans l'autre sens aussi, où on pourrait se connecter par là. Ce serait intéressant. On va essayer de voir si... Là, ça va. Alors, c'est assez moche. On a les rails qui sont un peu en mode sur... Écoutez, je vais laisser comme ça pour le moment. On va essayer de développer un peu notre zone parce que sinon on n'avancera jamais. Et on va voir comment ça va se passer. Donc on va avoir du monde qui va passer par ici. On va prendre notre petite route et on va essayer de quand même... Alors attendez, on va une fois voir si on peut pas mettre genre encore un stade ou un truc du genre, un gros truc. Pour avoir du monde, même si ce serait mieux de le connecter du coup là. Alors, c'était où? C'était ici peut-être. Voilà, là un stade, on l'a déjà mis. Le stade a tiré combien? 150. Tourisme et loisirs, alors ouais, ça on n'a pas encore. Mais ça devrait pas trop tarder avec ce qu'on ajoute là maintenant, ça va être intéressant. Cercle musical, c'est vachement sympathique ça. On va mettre ça ici. Bâtiment de radiodiffusion. Je crois qu'ici, ça va être un peu la zone fourre-tout pour essayer de remplir un max nos missions. Et zone de festival. Alors un petit festival, on va le mettre proche de... On va le mettre ici, voilà. Parfait. Ok. Je vais prendre cette route-là et je vais... Elle l'a connecté vers ici. Parfait. Et maintenant, on va commencer à colorier. Hop là. Je vais colorier quand même ici. On est... Alors, on aura beaucoup trop, je crois. Je suis en train de faire beaucoup trop, mais au fur et à mesure, au pire. Hein. Il faut qu'on ajoute encore notre ferry, qu'on ajoute. Vous savez quoi, je vais faire toute la zone, comme ça c'est fait. Il faut qu'on ajoute du coup notre ferry, qu'on ajoute notre système de, enfin notre truc de pêche, parce qu'on peut faire de la pêche, alors autant en profiter, hein. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal tout ça. On va pas faire ça aujourd'hui évidemment. Je vais commencer, on va remettre le temps. On va essayer de tout connecter niveau électricité aussi. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce qu'entre eux, ils sont connectés? Ils sont presque connectés entre eux. Donc ça, on peut déjà faire genre zou. Et là, ça va. Là, c'est bon, c'est connecté, donc ça, c'est une très bonne chose. Et on va devoir normalement avoir du monde qui va arriver. Alors, on pourrait, et j'ai jamais fait, ou presque jamais, faire une ligne de train. On va dire une ligne de train qui passe par ici, qui pourrait s'arrêter là, j'allais dire, mais apparemment... Ah ouais, non, juste pas. Et on va le faire aller, genre ici. Voilà. Même chose, on peut faire quand même une ligne de train qui va d'ici jusque là.
Alors, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être trop ou pas assez? Aucune idée. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a des petits trains qui passent là. Et ça, c'est ce qu'on aime. Voilà. Est-ce qu'on va avoir du monde qui va attendre ou pas? On verra bien. Il n'y a encore rien de très intéressant, donc ce serait pas étonnant qu'il n'y ait pas assez. On a toujours un problème de trafic, hein. Clairement, clairement, notre zone ici est pas du tout bien conçue, dans le sens où là, je devrais avoir des gros axes, en fait. Et pas deux petites voies. Parce qu'on a tellement de monde. Mais regardez-moi ça, quoi. Oh, c'est fou. Ce monde, c'est fou. Ici, ça commence petit à petit à se remplir. C'est une bonne chose. On va aussi avoir à un moment donné nos premiers passagers. Ce qui sera bien, c'est donc nos touristes et ceux qui veulent venir se divertir vont vouloir à un moment donné aller. Alors, s'ils veulent aller par là, ils doivent d'abord aller jusqu'ici et de là partir. C'est pas trop grave, parce que de là, on peut vraiment partir de où on veut. Mais c'est vrai que là, ce serait intéressant d'y aller. On verra bien. On verra bien, on a pas mal de petites choses du coup à faire. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Vraiment, moi ça me fait ultra plaisir. Donc, merci pour tous ceux qui le font. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!